le salaire colossal de Christophe Deschavannes lorsqu'il était chez TF1. Il sort un stylo de sa poche pour que je signe un contrat en vue de rejoindre TF1. Il lui faut du personnel. Il m'a coûté les yeux de la tête, mais moi, je le voyais avant tout comme un espace de liberté. Quand mon père est mort, j'ai hérité de 300 000 francs de dettes. Il a fallu que je me crache un peu dans les mains puisqu'on me saisissait mes salaires partout où je travaillais.